Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur cette petite vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Destiny 2 et j'ai ma foi quelques petites révélations à vous faire. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à vous dire qu'il m'a été communiqué récemment un document par une personne fiable. Alors, c'est un document officiel, mais je ne peux malheureusement absolument pas vous citer ni la personne, ni vous dire de quel type de document il s'agit ou encore d'où il provient, sinon tout le monde prendrait très cher dans cette histoire. En revanche, je peux vous dire qu'il s'agit d'un document écrit dans lequel apparaît des colonnes classées par thème. Par exemple, dans la colonne fonderie en rapport avec Destiny 2 apparaît le mot veste et on sait très bien qu'il s'agit d'une nouvelle fonderie qui sera présente dans Destiny 2. Donc on apprend ainsi de ce fait pas mal de petites choses en rapport avec Destiny 2. Par exemple, dans l'une des colonnes de ce document est apparu le mot FOTC. Donc au tout début, j'ai cru qu'il s'agissait d'une abréviation anglaise et grâce à quelques questions posées sur Twitter, et on remerciera au passage Senpai pour les précisions à ce sujet, j'ai pu récolter quelques infos sur le web et voici ce que j'ai pu trouver au sujet du fameux FOTC. Donc FOTC Tank the Drake, voici les informations précisément citées dans le document. Il s'agit simplement de Force of the City, donc en clair une armée ayant pour but de défendre la cité. Donc cette armée, dont l'existence a été officiellement révélée à l'occasion du dernier E3, a été le thème de discussion sur de nombreux sites et articles qui s'accorderaient à dire qu'il s'agirait d'une possible nouvelle future faction dans le jeu. D'autres personnes en revanche prétendent qu'il s'agirait d'une nouvelle fonderie. Mais voilà problème sur le document en question. À côté de la colonne fonderie, seule la marque veste est apposée. La mention FOTC, quant à elle, fait partie d'une toute autre colonne qui n'est pas apposée dans la catégorie des fonderies. Donc l'existence de cette catégorie, de ce regroupement FOTC, a été, comme je vous l'ai dit, révélée lors du précédent E3. On en voit notamment l'apparition dans ce screen tiré du trailer où l'on peut voir clairement un vaisseau sur lequel le sigle FOTC apparaît avec la traduction Force of the City le long de la coque de ce même vaisseau. On aperçoit également l'apparition d'une arme révélée à l'E3, il s'agit du Sanctuary numéro 2, et cette arme, lorsqu'on en voit les caractéristiques, porte également le sigle FOTC. Il y a également ce viseur sur lequel on peut apercevoir le sigle FOTC. A noter également que l'on aperçoit ce logo sur l'un des t-shirts officiels de Bungie, un logo qui pourrait fort bien représenter cette future faction, d'autant plus que l'on aperçoit au dos de celui-ci le mot Vanguard, et comme on le sait déjà, l'avant-garde a été quelque peu perturbée et sera même absente au lancement de Destiny 2. On peut donc supposer qu'elle va être totalement modifiée et la FOTC pourrait pourquoi pas prendre le nouveau rôle de l'avant-garde. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle fonderie? Pour ma part, je pencherai plutôt pour une nouvelle faction. J'espère qu'on aura la réponse prochainement. Ensuite, je tenais à vous parler des modes de jeu qui seront présents dans Destiny 2. Donc on sait qu'ont déjà été mentionnés quelques modes de jeu comme le retour des quêtes, des nuits noires, l'apparition du nouveau mode Flashpoint ou encore du mode Countdown pour le PvP ou le retour encore du Trials qui a été cité dans le dit document que je détiens. En revanche, il existe dans ce même document deux dénominations qui font mention soit à des modes de jeu déjà présents dans le jeu et il s'agit là simplement de leur dénomination, soit d'une nouvelle façon de renommer ces modes de jeu. Le premier étant Call to Arms, qu'il faut traduire par appel aux armes. Alors est-ce qu'il s'agit simplement de la dénomination du jour des armes ou est-ce qu'il s'agit d'un nouveau mode de jeu qui va être introduit prochainement dans Destiny? Et ensuite on retrouve le terme Milestones, donc Milestones qui fait référence à perturber les dépouilles dans le carnet de l'âge de triomphe dans la version anglaise et qui est en terme anglais une façon de nommer des étapes, des quêtes, des passages à exécuter. Donc est-ce qu'il s'agit simplement d'une façon de renommer des modes de jeu déjà présents dans le jeu ou est-ce qu'il s'agit de nouveaux modes de jeu qui vont être introduits? Pas de réponse à ce sujet, mais sachez que les dénominations Call to Arms et Milestones apparaissent dans le document que je possède. Ensuite, nous allons parler des ennemis. Donc on le sait, la Légion Rouge sera nos prochains ennemis de Destiny 2. Ils seront Cabal et on a quelques précisions concernant les dénominations de ces futurs ennemis. On sait qu'il y aura des gladiateurs, mais aussi des Scorpius, des incendiaires et enfin des Warbeasts qui ne sont autres que les chiens que nous avons découverts dans le trailer. On apprend donc que parmi les cabales, il y aura un type d'ennemi à venir qui portera le nom de Scorpius.
Concernant les ennemis également, nous avons une petite phrase qui mentionne que Destiny introduira également 5 nouveaux ennemis additionnels dans le jeu. 5 nouvelles races de combattants ennemis. On ne sait pas lesquels ni à quelles occasions ils apparaîtront dans le jeu. Il est simplement précisé qu'on les rencontrera à l'occasion de la campagne et des différents modes d'exploration. On va faire maintenant un petit détour du côté des armes. Donc on a vu et on a su par le passé que des nouvelles armes apparaîtraient dans Destiny 2, notamment les SMG, les lance-grenades par exemple. On a appris également le retour des pompes, snipers et autres armes déjà connues de Destiny 1. Mais dans le document que je possède, il est fait mention de 2 nouvelles armes. Premièrement, les couteaux thermiques, donc les couteaux tels qu'on les connaît pour le chasseur, mais en version thermique, je ne sais pas ce que ça va donner. Et enfin, le flamethrower, donc traduit littéralement le lance-flamme. Est-ce qu'il s'agit là d'une différence de traduction? Allons-nous avoir des lance-flammes dans Destiny? Ou est-ce qu'il s'agit tout simplement d'une autre dénomination pour les lance-grenades, puisqu'on a vu précédemment que les lance-grenades feraient leur apparition dans Destiny 2? Donc aurons-nous l'occasion de faire joujou avec des lance-flammes? Affaire à suivre. On poursuit, et là il va s'agir plutôt d'une petite clarification concernant les doctrines. Dans le document que je possède, il est fait mention de la phrase suivante en anglais. Not all of the classic subclasses will be returning as they exist today. For example, Sentinel for the Titan will incorporate best attributes of the Defender. Ce qui signifie que le Sentinel reprend certaines des capacités de la doctrine défenseur du Titan, mais que toutes les doctrines classiques ne seront pas de retour dans Destiny 2. En clair, si le Sentinel remplace le défenseur, on peut donc supposer que le défenseur ne reviendra pas pour Destiny 2. Il en sera donc probablement de même pour la Radiance, qui a été remplacée par le Dawnblade et son Daybreak pour l'Arcaniste, et enfin l'Épéiste, qui lui a été remplacé par l'Arcstrider et son Arcstaff pour le Chasseur. En revanche, on le rappelle, les doctrines suivantes sont absentes au lancement, mais pourraient peut-être revenir, modifiées pourquoi pas, par la suite. La doctrine de feu pour le Titan, Marteau du Soleil, la doctrine électrique pour l'Arcaniste, Rite de l'Orage, et enfin la doctrine abyssale pour le Chasseur, la Ronde de Nuit. Et enfin, pour terminer, nous allons parler de l'univers et de l'histoire de Destiny 2. On le sait, il y aura beaucoup plus de cinématiques dans ce second opus, et on le sait également, les personnages les plus importants de Destiny 1 seront mis au premier plan. Les ennemis seront plus puissants, et on apprend dans le document que la customisation du personnage sera possible à la création, mais aussi par la suite, c'est-à-dire probablement par le retour des fameux chromas et autres items de personnalisation. On apprend également que la barbe ne sera pas disponible dans Destiny 2 pour les personnages masculins. Et enfin donc, parlons un petit peu de l'histoire de Destiny 2, à savoir premièrement que les DLC seront basés, on l'a vu, sur Osiris et Rasputin. Mais des questions restent en suspens, comme par exemple, où sont passés Eris et le guide? Malheureusement, pas de réponse à ces questions dans le petit document que je possède. En revanche, nous sommes également en droit de nous demander qui est Osorn, le personnage dont on parle de plus en plus au fur et à mesure que Destiny 2 se rapproche. Donc lorsque l'on regarde d'un petit peu plus près la description qui est associée au sac en bandoulière qui est livré avec l'édition collector de Destiny 2, on peut y découvrir cette traduction de la description qui concerne Osorn. Donc né dans la ville, Osorn est parti en tant qu'adolescente pour chercher la liberté dans le désert en dehors de la sécurité des murs de la cité. Elle a vécu pendant des années en dehors de la protection des gardiens et elle est revenue à prendre son véritable but, fournir un abri à l'humanité, sauvegarder l'humanité, en les aidant non seulement à survivre, mais aussi à leur apprendre une meilleure façon de vivre. Il est précisé également que Osorn, lors de ses expéditions en dehors des murs de la cité, portait sur elle ce sac en bandoulière. Donc il s'agit d'une description relative au sac bandoulière que l'on pourra trouver dans l'édition collector, et beaucoup s'accordent à dire qu'il pourrait d'ores et déjà s'agir de l'une des possibles identités de notre mystérieuse exo inconnue. On sait maintenant que pour Destiny 2, la période de la guerre rouge nous attend avec l'invasion de la cité et de la tour nommée Homecoming, et on espère dorénavant avoir un peu plus de précision concernant cette mystérieuse Hawthorne.
J'espère que ces révélations vous ont plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir massivement dans les commentaires. Donc je vous le rappelle et je vous le reprécise à nouveau, il s'agit d'informations contenues dans un document officiel, mais ce dernier m'a été communiqué de façon plus ou moins legit, si je peux dire ça comme ça. Du coup, c'est vrai que ces infos sont peut-être à prendre un petit peu à la légère et il vaut mieux peut-être attendre d'en savoir un peu plus, pourquoi pas à l'occasion de la bêta qui sort très très prochainement. Profitez bien de ce beau soleil, geekez bien, à très bientôt. Ciao tout le monde.